Hey Moussaillon, j'espère que ça guette. Aujourd'hui, je te retrouve dans un book haul pour le printemps. J'ai fait des petits achats livresques ces derniers mois et j'avais envie de partager cela avec toi. Le premier livre que j'ai acheté est un livre que j'ai acheté sur Vinted. Il s'agit de ce livre-ci, Les soins naturels pour mon chat, de Annabelle Valentin. C'est un livre que j'ai acheté pour trouver des recettes pour l'arthrose de mon chat. Je suis un petit peu déçue parce qu'il n'y a qu'une recette par pathologie et j'aurais aimé beaucoup plus de choses par rapport en fait au problème avec un peu plus d'explications. Donc je sais pas trop, je vais voir, mais ça m'étonnerait que mon chat ait envie de boire une infusion qui ressemble à une toute simple recette de grand-mère. Néanmoins, voilà, on a plein de petits conseils et recettes pour différentes pathologies concernant notre chat. Et si tu ne le sais pas, bah, mon chat est âgé, elle a 11 ans et fait de l'arthrose, donc je me suis dit que ça serait plutôt pas mal. Je sais plus combien je l'ai payé exactement sur Vinted, il coûte 10,90€ de base. À faire attention sur Vinted de une fois en fait les frais de port ajoutés au livre qu'on veut, que ça ne coûte pas plus cher que le prix d'achat du livre, parce que à ce prix là autant l'acheter neuf, surtout si on est sûr que c'est un livre qu'on va choyer assez longtemps et qui nous fait vraiment envie. Le deuxième livre que j'ai acheté, je l'ai également acheté sur Vinted et j'ai dû le payer une dizaine d'euros, frais de port compris. Il s'agit de Meuf, se libérer des injonctions et écrire sa propre histoire, de Claire Succo, alias Meuf Paris sur les réseaux, aux éditions Larousse. C'est un livre féministe et je n'ai jamais lu ce genre de livre. C'est tout nouveau pour moi, mais je suis tombée par hasard sur ce livre-ci et il y avait une photo de la quatrième de couverture, le synopsis m'intéressait puisqu'on nous dit injonction, sexisme, charge mentale, sexualité, règles, violence sexuelle, entre récits intimes et essais féministes où viennent se mêler les témoignages de femmes et d'hommes. Ce livre libère la parole, sort du cadre et pose la question de ce que signifie être une femme aujourd'hui. Un formidable souffle de liberté et de puissance pour encourager chacun chacune à écrire sa propre histoire. Et rien que ça, ça m'a donné envie. Alors je t'ai pas lu tout le synopsis pour pas trop te spoil, mais voilà, ça me faisait beaucoup envie, sachant qu'en plus j'ai été beaucoup victime de sexisme, notamment étant plus jeune et notamment étant étudiante. Donc je me dis que ce livre peut me faire que du bien et m'aider probablement aussi à me réconcilier avec moi-même. Voilà, ça peut être une étape. Toujours dans le but de me comprendre et de me réconcilier avec moi-même, je pense qu'il y aura essentiellement des livres sur cette thématique-là dans ce haul. Hein. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, c'est ce que j'avais besoin. On a acheté ce livre-ci avec ma moitié. C'est le petit guide illustré du TDAH de Alice Gendron ou Gendron, je ne sais pas comment on prononce, je m'excuse si j'écorche son nom, pardon, je m'embrouille. C'est la mini coach TDAH sur les réseaux. Je crois que j'ai déjà vu ces illustrations tourner sur Insta. C'est un livre qu'on a acheté. Pourquoi? Parce qu'il y a forte suspicion de ça chez moi, tu vois. Et du coup, ma moitié, en feuilletant le livre, m'a retrouvée en lisant, ou du moins en feuilletant, s'est dit, mais en fait, c'est toi là. C'est exactement ce que tu fais, ce que tu es, comment tu agis. Et on s'est dit que pour que ma moitié arrive un petit peu plus à me comprendre, à me cerner, et que moi aussi, ben, je me comprenne moi-même et que je comprenne ma façon de fonctionner et qu'est-ce que je peux un petit peu améliorer ou corriger ou essayer de faire différemment et qu'est-ce qui est normal que j'agisse comme ça et il faut juste que j'apprenne à faire avec. Voilà, je me suis dit que ce livre-ci serait plutôt pas mal. Donc ben, du coup, on a craqué sur ce livre-ci et... je suis bien contente d'avoir acheté ce livre-ci. Je l'ai lu d'ailleurs et je pense que je t'en reparlerai dans le prochain épisode de la taverne au coup de cœur. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les aventures afin de ne pas louper le prochain épisode de la taverne au coup de cœur où je te parlerai de mes dernières lectures. Et ces derniers temps, il y en a eu, donc reste bien connecté. Autre livre, toujours pour un travail sur moi-même, voilà, j'ai acheté celui-ci
que j'ai également fini et dont je te reparlerai également dans la taverne au coup de cœur. Il s'agit de La montagne, c'est toi, se libérer de l'auto-sabotage de Brianna Waste. En gros, c'est un livre qui nous parle de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est le fait de se mettre soi-même des bâtons dans les roues, de soi-même s'empêcher de réussir, d'aller de l'avant, de bien fonctionner dans la vie. Et j'ai besoin de ce genre de lecture pour m'aider à aller de l'avant et pour comprendre que je m'auto-sabote un petit peu trop souvent. Et je pense qu'on est beaucoup à s'auto-saboter dans la vie. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi c'est le cas, mais je sais que voilà, moi c'est le cas. Donc cette année, j'apprends à travailler dessus et à m'aider à avancer, à aller de l'avant et à oser faire ce que j'ai toujours voulu faire et entreprendre sans me mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est pas toujours facile, mais on apprend. Autre livre que j'ai acheté, alors c'est pas forcément la même thématique, mais il s'agit de Penser comme un moine de Jay Shetty. C'est un Britannique d'origine indienne, de ce qu'on nous dit, qui est devenu moine hindouiste dans l'ashram Gauranga Das en Inde, où il est resté 3 ans, et du coup il nous parle un petit peu de sa philosophie en tant que moine. Et si tu me suis, tu sais que j'ai déjà lu des livres comme ceci où l'on suit des moines. Enfin, c'est un moine qui va nous raconter sa philosophie, son histoire, sa vision de la vie. Et j'aime bien cette approche-là de moine, que ce soit des moines bouddhistes, des moines hindouistes ou des moines même de monastères. J'aime beaucoup lire ce genre de récits parce qu'il y a tellement une simplicité dans la vie de ces gens, un retour à soi et un retour aux sources en se délestant du superflu. Et vraiment, ce genre de livre, c'est le genre de livre qui me fait très envie. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, toi tu repars avec moi, je ne peux pas ne pas te prendre ». Autre livre que j'ai vu également le jour où j'ai acheté ce livre-ci et je me suis dit je ne peux pas repartir sans. Il s'agit de Le guide du bonheur imparfait de Fabrice Midal. C'est un livre qui nous explique que le bonheur n'est pas parfait. Alors il est assez petit donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement. En gros, voilà, qui nous explique que rien n'est parfait et que c'est pas parce que tout est lisse dans notre vie qu'on sera beaucoup plus heureux. On sera peut-être moins heureux si tout est lisse dans notre vie. La vie, c'est fait de haut, de bas, et la courbe, elle est tout le temps comme ça. C'est tout le temps des petites montagnes, il y a tout le temps des petits rochers, des petits cailloux. Et c'est à nous d'avancer et d'apprendre justement à vivre avec tout ça. Et à savoir que la vie n'est pas parfaite et à aller de l'avant. Bref, je m'embrouille un peu pour te parler d'un livre, mais en tout cas ça me faisait très envie, ça me parle beaucoup ce genre de choses, donc je ne pouvais pas ne pas prendre ce livre. Le dernier livre dont je voudrais te parler, ou du moins que je voudrais te présenter, le dernier achat à l'ivresse que j'ai fait, c'est beaucoup plus simple dit comme ça, plume, il s'agit de ce livre-ci. C'est le livre Secret des elfes, Catherine Queneau, aux éditions Albin Michel, illustré par Siviello. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion chez Cultura, car chez Cultura, ils ont des livres d'occasion, et en tout cas dans mon Cultura, le rayon livre d'occasion s'est vraiment agrandi, ils ont mis plein de bacs, et par hasard, un jour, j'ai trouvé ce livre-ci. Si tu ne le sais pas, moi je suis passionnée par tout ce qui est fantasy et créatures, fantasy, fantastique. J'ai plein de livres, tu ne le verras peut-être pas ici, ou si, ou peut-être ici, là, hop, là, juste là, tu verras peut-être. J'ai plein de livres de fantasy et notamment d'encyclopédie sur les elfes, les fées, les lutins, les gnomes, les créatures fantasy, fantastique. J'adore ça et du coup je ne pouvais pas repartir sans ce livre-ci qui est sur les elfes. Et je n'ai pas de grand livre comme ça sur les elfes, j'ai un livre beaucoup plus petit. Mais là c'est beaucoup plus complet, donc j'ai hâte de pouvoir le lire, surtout que je l'ai payé 7 euros, et je crois que de base c'est un livre qui coûte c'est un livre qui coûte 25 euros. Voilà, c'est écrit là, 25 euros, je l'ai payé 7 euros. Autant te dire que j'ai fait une bonne affaire sur ce genre de livre. C'est pas des livres qu'on trouve couramment et je suis bien contente de pouvoir retrouver des fois des livres comme ça d'occasion. Donc voilà pour les derniers petits achats livresse que j'ai fait.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker pour soutenir la chaîne. Je te souhaite de bien profiter de la vie. Moi, je pars vers de nouvelles aventures. Allez, bye!